Salut à tous les gamers! Alors aujourd'hui on se retrouve sur Jesso Gaming pour la suite de Evil Waiting. Ok, donc bon, on arrive là. Très bien. Et bah écoutez, c'est parti. Hein. Je suis directement dans le bain. Et non, je suis pris 3 dans les griffes de l'arbre. Alors. C'est très lugubre. Mais... Donc il nous reste 6 balles. Enfin, 10 balles en tout. Ok. Je regarde s'il n'y a rien. On n'a pas de... On n'a pas de... Merde, de seringue. Je regarde ce qu'il y a là. Bon, il n'y a rien du tout à récupérer. Ok. C'est très lugubre quand même comme endroit, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Bien, je casse, mais il n'y a rien. En même temps, avant de partir, je vais rien faire. Il y a un truc trop louche quand je commence à monter l'escalier. Ça commence à ralentir. Bah tiens, j'ai bien fait de ce demi-tour. Je vois quelque chose qui m'intéresse. Là, tiens là, toi. Elle a plus de sens, refuse pas. Hein. Donc là, je sens une Donc soit une cinématique, soit un gros bébé. Enfin, un truc qui va pas me plaire. Déjà, ok. Ok, ça fait plaisir. Ouais, on va mettre le feu là-dedans parce que ça me plaît pas du tout. Si ça, ça se réveille, je pense que je suis vraiment dans la merde. C'est bon? Ok. En même temps, je pense pas que je pouvais passer avec des cadavres après tout. On a monté dessus. Ouais, une porte qui s'ouvre toute seule, c'est normal ça. Merde. Non, je crois qu'il n'y a rien de normal en fait. Non, des fois que. Bon, déjà on est parti sur un point de contrôle, donc déjà, faut être positif dans la vie. Ça peut pas l'ouvrir forcément, ça a été trop beau. Là-dedans, il y a quoi? Un cadavre que je vais très bien cramer. Ah, une seringue, c'est toujours bon à prendre. Ok. Ça, je prends forcément. Plus 300. Ok. On va épier un petit peu avant d'entrer. J'aime beaucoup les portes comme ça qui se referment tout seul, j'adore. Franchement, j'adore. Ouais, moi je prends une bouteille juste au cas où. Puis bizarrement. Putain! Vous l'avez vu, franchement, ou pas? Parce que moi, je l'ai pas vu du tout ce truc. En plus, je suis pas morte, chance. Chance, mais bon. Bon bah, soit pour une soirée, on n'a pas vraiment le choix là. J'ai fait. Non, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, c'est des marches comme ça, dès qu'on s'en approche, ça pète quoi, c'est ça? Et si on passe en dessous, ça fait rien, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. On va faire deux fois la même connerie. Ça, il y a plein de bouteilles partout, ça. La merde. Ça pue la merde. Moi je vous le dis, ça pue la merde.
Enfin, je sais pas quoi faire en fait. De toute façon, ouais, je sais pas quoi faire. Si je sais quoi faire, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Je n'ai pas vraiment le choix. Bon, déjà, on va détruire ça. Allez, hop, deux petits gels, ça fait plaisir. Voilà. Qui est là? Non, ne tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis docteur Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas vu les autres? Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là, mais... Mais? Vous voyez par vous-même. Mais pas un bruit. Oui, je ne l'écoute pas, le monsieur, je m'en fiche. J'estime que je suis assez grand pour passer où je veux. Il y a un truc là-bas qui m'intéresse. Ok. Faut se cacher, ça c'est pour fouiller. Ok, je prends. De le suivre. Voyez par vous-même. Ces choses, elles m'ont poursuivi jusque dans le village. Moi aussi. Il y en a partout. Leslie est passée par ce portail. Seigneur. Il y en a trop pour qu'on passe en force. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner pendant que l'autre ouvre le portail. Vous êtes le seul à être armé. J'ai des doutes. En gros, faut que c'est moi qui fasse la chèvre, quoi, c'est ça, hein, clairement. Hein. Putain, c'est quoi ça, quoi? Ces maudits pièges. Il y a une manivelle sur la terrasse. Actionnez-la que je puisse passer. Ah, je suis pas con, hein, depuis tout à l'heure je la voyais la manivelle. Ah, c'est des pièges à moitié ça. Vas-y mon gars, vas-y. Et en fait là je suis censé faire quoi? Je suis censé te couvrir, c'est ça? Putain. Par ici! Là! Hé hey, par ici! C'est ça, suivez-moi! Il va juste réussir à se faire tuer. Putain, ça fait rien quand je tire. C'est triste. Je sais pas par où passer. Par là, bien. Ah non, même pas. Même pas, même pas. Ok, bonjour, salut, ça va? On s'appelle, on se fait une bouffe. Putain. Bien. Ah.
putain, avec tout ce que je t'ai foutu sur la gueule, mon gars. Putain, mais vous êtes combien là, sérieux? Putain, ok, d'accord, ok, normal. Ah putain. Ah, je les ai pas vu arriver en plus, ces fils de. Ces fils de bip. En même temps, ça pue un peu la merde, hein, je veux dire, clairement. Je les sentais venir, grosso modo, bien correctement la merde. Mais bon, c'est pas grave, on était pas loin du point de contrôle. C'est pas un souci. Bon, j'aurais bien retourné là. Bon, alors du coup. C'est là donc que ça pue. Fortement. Ah, des traces tarot, t'occupes pas de ma gueule. Putain, comment ils sont acharnés sur la porte! Allez hop, salut! J'entends le deuxième. Ok, bonjour. Vas-y, barre-toi, mon pote. Barre-toi. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais, mais. Je le fais. Porte, moi je m'en fous, je me corse. Elle m'a vu? Putain, ouais, elle m'a vu. Putain, ouais, elle m'a vu. Putain. Mais barre-toi, fais quelque chose, mon gars. Hop là, voilà. Allez, ça va pas. Putain. Allez, avance, t'en fous. Mais non, mais t'occupe pas de ça. Allez, on se dépêche. Hop, sous le lit. Hop, ah, pas vu ce coup-ci. Pas possible. Je vais faire une conne, hein. Je suis rendu maintenant. Je vais essayer de l'avoir, comme tout à l'heure, à revers. Et voilà! Par contre, j'en entends d'autres. On va faire calme en tout cas. C'était quoi en fait? C'est pour ça que j'ai trouvé? Je sais pas. Bon, du coup, je vais partir par là, du coup, je sais pas trop ce que c'était. Voilà, on monte. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça pue la merde, c'est un truc de fou. Ça pue la merde. Y'a rien, disons plus tard, je casse des caisses, ça sert à rien du tout. Je vais devoir quelque chose. Bien. Bien, je suis là. C'est mort. Oh putain, ouais. Ah, il est clairement mort, lui. Y'a pas de soucis. Thank you.
Allez, tranquille. Tranquille, tranquille. Ah, c'est fermé. J'aime pas ce bruit, sérieux. J'aime pas ce bruit du tout. Je pense que je vais me recacher tout à l'heure comme une péteuse, genre partir. Toi, je te brûle, il y a même pas cherché à comprendre. Ah, et des balles, ça c'est cool par contre. Ça c'est cool. Je pensais que je pouvais le casser. Mais... on continue. On continue. On ne peut pas se rebaisser parce qu'il y a le bordel là-bas. Bon, il n'y a rien. Clairement, il n'y a rien du tout. Putain, c'est quoi ce bruit, ça? Je sais pas si c'est l'autre groupe techno là ou pas, mais le bruit ne me plaît pas beaucoup. Ça, je prends. Si je casse. C'est quoi? Ah, c'est l'entorche. Non, mais grenade. Cette grenade à manche est une réplique des siècles derniers. On ignore comment elle a pu atterrir dans les mains de particuliers. Ok. Ok, ok, ok. Alors, un bruit chelou plus une grenade. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais ça me rassure pas des masses. Je pense pas que je peux faire monter quoi. Putain, j'ai l'impression que c'était un effet, c'est quoi, c'est dingue. Gentiment. Discrètement. Ah, il y a quelque chose déjà là. Tac, on prend. Casse. C'est quoi ça? Ah bah tiens, ça c'est chouette par contre. Des balles, ok. On va dire que ça, c'est cool, hein. Je vais pas dire le contraire, c'est cool. Mais je trouve que c'est trop de choses, on va dire, en même temps. Il y a trop de choses en même temps. Qui me font penser qu'on va se taper un truc monstrueux. Ah, monstrueuse. On l'a fait jaloux, on l'a vu. J'ai vu l'échelle tout à l'heure, vous inquiétez pas. Mais j'ai fait le tour avant. Et vraiment en mode secret parce que voilà. Parce que vous comprendrez tous. Tant je n'ai pas vu ce qui m'attend, je resterai à quatre pattes. Puis parce qu'on marche, quand même en discret et tout. Enfin voilà, on essaie vraiment de pas se faire voir entre guillemets. Et quand ils cassent les caisses, franchement, mais. Je suis pleine. Et quand il casse les caisses, je vais y aller faire un bordel. C'est pas logique. C'est pas logique, pas logique, pas logique du tout. Bon, je vais courir un peu plus vite. Si je peux pas rassurer des masses. Là, on pourra rassurer des masses. Alors, une seringue. Pourrait pas être mal. Et, je vais prendre la. Non, je reste avec mon truc. Putain. Voilà.
Voilà l'intérêt de prendre une seringue, vous voyez. En 5 minutes, elle est capote. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Apparemment, si. 1000, putain, c'était bon ça. Une clé, ok. Ok, Bah, ce serait pas la clé justement qu'on avait besoin tout à l'heure. Je sais plus quel endroit c'était par contre. Mais on va retrouver. Hein. Ah, ok, c'est bon, je l'ai vu. C'est bon, je l'ai vu, fils de pute. Ok, oui, le tâche, je vais essayer. Ok. Et je sens qu'il est attaché, mais il va se détacher très très vite, je sais pas pourquoi je le sens. Alors, moi je vais retourner où j'étais tout à l'heure. Hop là. Je vais prendre la bouteille, non, je m'en fiche. Donc, je sais plus trop où c'était. Je sais plus où que. Tout à l'heure on était sur une zone où il fallait une clé. Voilà la porte. Ah bah tiens, je vais pas fouiller là. On t'en dit rien à fouiller, c'est pour ce que je. Ok. Ah si, bon, c'est une soirée, je suis con en fait. Bon. Je suis con quand je m'y mets. Là, je viens de descendre là. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas par là. Ça doit être plus loin en fait alors. Je sais même plus. C'est dommage. C'est dommage. Donc, ah si, c'était là en face. C'était en face. Ah, donc c'est pas la clé qui correspond à ça. Ok. Là, il est enchaîné, mais sérieux, j'ai pas confiance du tout. Ça, je vais rien avoir cramé ça. Non, je peux pas cramer ça. C'est bon, tiens. Bien bizarre. Merde, faut que je me planque. Ouais, on va se planquer très vite. Hein. Il propose quoi là, toi? Une torche. Ça, je prends ça aussi. Déjà qu'on est emmerdé par les zombies, si en plus entre humains on se traite comme ça, franchement, c'est juste abusé quoi. Alors du coup, je vais passer par là, donc là on l'a fait, en haut il n'y avait rien, donc je vais passer par là. Hop, je vais redescendre. Ah, je ne voulais pas qu'il y ait autant de lumière tout à l'heure.
descendre. Bonjour les cochons. Bonjour les cochons, on va t'inquiéter à ce moment. Oui, ça m'intrigue vraiment. Bah, le mec, il est... Je vais dire un truc pas clair, mais pas clair du tout. Soit je me le bouffais après, ou... Il va se passer quelque chose, ça c'est sûr et certain, de toute manière. Là-bas, il y a une sortie, on l'a vu. Ah, c'est quoi par terre ? Une bouteille, ok. Ok. Ok, il n'y a rien. Il y a encore une hache. Pourquoi il y a des haches partout ? Je sors aussi, pourquoi il y a des haches partout ? C'est louche, c'est louche. Ah, il y a un coffre. Ah bah c'était la clé du coffre en fait. Ouvrez complètement un coffre pour en rêver le contenu. Si le coffre est piégé, ouvrez-le seulement à moitié pour désamorcer le piège. Putain, c'est chaud, ouais. Putain, faut avoir du réflexe, hein. Donc le carreau explosif. Carreau explosif pour l'arbalète agonie, explosant à l'approche de l'ennemi. Il peut être placé au sol, au mur et sur les ennemis. Ouais, donc on vous place sur le mur, l'ennemi, enfin le zombie s'approche et puis ça pète, ok. Ok, ok. Eh, bah, putain. Franchement, il y a trop de choses. C'est pas normal. On récupère énormément de choses, une hache, des allumettes, machin et tout. Enfin, non. Moi, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas, je vous dis clairement. C'est trop pour. Ça. Du coup, l'arbalète, elle est où? Ah ouais, en fait, j'ai récupéré ça, les carreaux d'agonie, mais pas. J'ai pas le truc, en fait. Formation, c'est quoi ça? On sait pas. Alors, toi, me prends pas pour un con, toi, c'est bourré. Toi, je te crame. Et voilà! Et par contre, l'autre, on l'a pas tué. Par contre, pour l'autre, on va prendre le flingue. Voilà, clair, net, précis. Hop là. Hop là. Oh putain, mon gars. Non, on peut pas. On peut pas. Non, pas grave. Hein. Bonjour zombie, ça va? Tu veux pas venir là faire mumuse un petit peu? Il y a un piège en plus juste devant ma gueule là. Ah, forcément, il n'y a pas bien suite ça, putain. Ça serait trop beau. Trop beau. Il y a dedans, il n'y a rien. Ah, si, là-bas, il y a quelque chose. Juste un gros truc. Ça pue la merde, ça me plaît pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr, la femme qui se casse tout seul, bien sûr. Bien sûr, sans aucun problème. Sans aucun souci. Je sais pas quoi ça m'a, je sais pas. J'aime bien ma hache. Bonjour. Bonjour. Hop. Voilà.
C'est bon, je peux rentrer dans ce bazar là ou pas? Ça fait la merde dedans. Ok, on va aller en haut d'abord. Ah, yes, fusil à pompe. Ah, ça c'est cool ça, putain, j'adore les fusils à pompe. Mon gars, c'est pas une raison pour... C'est pas une raison pour... Il nous regarde, pas d'échappatoire, ok. Ok, tu vas faire ça? Bonjour! Moi je connais, moi je crois pas. Allez, lève-toi. C'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave du tout. Allez. Putain, non, si ça commence à devenir très grave. Oh putain, sac à merde. Ah putain. Ah, je sais même pas où ça se gardait en plus. Exactement, aucune idée. En tout cas, on avait bien avancé, c'est dommage quoi. C'est juste mieux que je gère en fait avec le levier. C'est tout. On dit qu'il passait levier et puis... Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Où est-ce qu'on est? Ah ouais, c'est quand l'autre nous avait vu ça, je crois. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais, donc en fait, on a quand même vachement été loin, quoi. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc là, du coup, est-ce que tout ce que j'ai pris tout à l'heure, ça... Non, ça plaisait quand même plus. Pas logique, bon, là, y'a rien. Du coup, c'est-à-dire qu'il va falloir que je remonte. Pas logique, c'est ça aussi. Hein. C'est l'étage d'après. Non, il n'y a pas besoin de monter parce que si on veut prendre ça, mais. Sinon, il n'y a pas besoin plus que ça. Allez, hop. On connaît maintenant, tranquille, il n'y a pas de problème. On peut descendre là, mais on n'est pas des cons. On ne va pas descendre là. De toute façon, je prends le même parcours que tout à l'heure. Je pense que le parcours que je fais tout à l'heure, malgré que je me suis chopé à 2-3 reprises, c'est quand même pas mal. Là, ça doit quand même faire mal, hein, je pense. Oui, non, non, c'est pas par là, certainement pas. C'est pas par là du tout. C'est par là-bas. Avec le coffre magnifiquement super. D'accord, le coffre en fait, donc là, ça sauvegarde le coffre. Ok, ça marche.
Les ennemis, on les a pu. Merde, je vais tuer une connerie. Donc, les ennemis qui étaient là, on les a pas. Donc, t'es toujours là-bas. Ouais, c'est pas mal ça, j'ai pas vu ça. Ça. Mais du coup, en fait, pistolet. Ça fait un, je trouve. Le mec, il a rien à foutre en plus. Voilà, ça sera toujours un moins à nous faire chier. Hop. C'est pas rien comme tout à l'heure. D'accord, et là maintenant j'attends comme un con et personne, c'est ça. Elle est drôle la blague. Besoin de relire. Ça, vous me prenez vraiment pour un con, les zombies. Hein. Vraiment pour un con. Alors, toi, déjà, toi, tu crapes direct. Donc, là-bas, il y a un truc. C'est des allumettes, je crois. Ok. Je vais pas fouiller autrement. J'ai vu juste un truc. Ah là, qui me plaisait bien. Carreau harponneur, harpon pour arbalète, agonie, parfait pour empaler l'ennemi. Ah ouais, mais comment c'est que j'ai tout en fait. Mais je n'ai pas le. Je n'ai pas l'harpon au final en fait, c'est ça le truc qui me. Qu'est-ce que j'ai le carreau explosif. Seringue. La seringue, je pourrais emprunter pour avoir la vie un peu plus élevée. Donc du coup, j'ai mon flingue, j'ai le fusil à pompe. Mais je n'ai pas le. Là, je vais passer par là. Merde. Voilà. En fait, tout à l'heure, je me suis fait avoir par les débilos là-bas. Donc là, juste avant d'imaginer un inconnu. Voilà, hop, on prend ça en même temps. Tu me vois. Ok, bande de chacal. Oh, faut que vous m'arrêtez pas cette fois-ci. S'il te plaît, gars, me lâche pas. Là, on les attend, on appuie sur X pour faire tomber les pointes. Qui vont peut-être pas nous tomber sur la gueule, tu vois. Putain, ils se foutent vraiment de ma gueule, hein, ça, eux. Ok. C'est bon, je sais juste que je vais voir. Putain, les fils de chiens, toi, ils ont réussi à passer, quoi. On va essayer le fusil à pompe. Ah ouais. Ah ouais, déjà, c'est efficace. Putain. Allez. Tu veux vraiment jouer à ça, au plus fort comme ça. À celui qui va mourir avant l'autre. Ah, apparemment, tu veux...
Voilà, mais si tu veux jouer, on va jouer. Alors, si tu d'accord d'avant, moi je ne joue rien. Ton pote aussi, il veut jouer. Ton pote du haut, ton pote du bas. Ok, bonjour, salut, ça va, on s'appelle, on se fait une bouffe, y'a pas de problème. Enfin si, y'a un problème, mais du coup, t'es intelligent, tu ouvres la porte, ça change tout. Moi, je descends très 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 vite. Je vais me placer là-bas. Je vais t'attendre. Vas-y, viens, 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 viens. Y'a pas de soucis, viens, viens, je t'attends. Tu sais plus où je suis rendu, mon pauvre gars. Non. Ouais, c'est cool ça. Point de contrôle en plus. Allez, hop, on y va. Ça on peut pas voler ça non. Bah c'est où j'étais tout à l'heure ça. Non. Franchement. Comment dire paumé hein, franchement je vous avoue. Que. Okay. Ouais, je vais continuer par là. J'ai rien buté en mode furtif. Mais ça pue. Ça manque de merde. Mais sérieux, comment c'est possible? Comment que c'est possible? J'en ai deux en plus, hein. J'en aurais qu'un encore, ça irait, mais. Là, il faut oublier qu'il y en a deux. Oh yes! Allez, toujours un fait! Oh l'esquive de merde! Voilà. Ouais, tu crames. Moi je prends mes balles. Voilà, j'ai mis 4 balles, je crois. Et du coup, je prends mes 4 balles. Ça a beaucoup prévu, moi je trouve. Ok, on va pouvoir rien faire. Là. Voilà. Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre. Quoi?
Quoi? Tu me dis qu'il faut que je trouve une tronçonneuse? Attends, mais t'es sérieux, mec? Après tout ce qu'on vient de se taper, faut que je fasse une tronçonneuse. Ok, salut, ça va? On s'appelle, on se fait une boucle, y'a pas de problème. Si j'ai entendu but trop chelou, j'aime le point. Par contre, je vais peut-être prendre une autre arme. Parce qu'une arme sans. Une arme sans balle, c'est bien, mais ça sert un peu à rien. C'est juste que si je peux pas suivre. Ça, c'est cool, ça encore. Strictement aucune idée de ce que ça va faire. Ah, ok, d'accord, c'est bon, j'ai vu les pics là-bas. Ok. Eh ben, lave-la la putain d'arbalète. Voilà. Ça. J'aime bien du bruit, il faut bien qu'ils viennent. Ça va être sur le qui-vive, je peux durer que. Qu'est-ce qu'ils sont ces fils de chiens? Il y en a une là-bas déjà. C'est la voie Harver. Voilà! Vous allez dehors. Ils sont en train de se parler, je sais pas, mais. Bref, maintenant ils se parlent plus. Allez, prends ça. Là-bas, il y a autre chose aussi. Des balles, on prend. Il n'y a pas de souci, on prend. Après, ensuite. Ok, salut. Salut, merci, au revoir. Du coup, tu sors, toi, ou tu fais juste les allers-retours? Ok, tu fais juste les allers-retours. Ok, là, si tu fais juste les allers-retours, moi, je vais rester là. Bien sagement que tu fasses ton petit détour. Comme ça, je vais t'avoir un verre aussi. Ça préserve les balles, comme on dit. C'est bien. Ah, mais une pioche. C'est pas la pioche qu'on a tronçonneuse, ça. Là, voilà. Des fois que. Vas-y, fais ton demi-tour, mon gars. Mon gars, ma fille, j'en sais rien, mais. Fais ton petit demi-tour, voilà. Allez. Ah, ouais, couché. Je peux la brûler? Bon, on peut pas la brûler. Hop, on prend. Donc là, on a fait. Là, on a. Merde, je fais rien. Là, on a fait. Une bouteille si on veut. Hein. Bonjour. Le 500, c'est bon ça. Bon, bah y a plus rien.
Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça, ça me plaît beaucoup moins bien. Comment vous avez fait pour l'ouvrir si vite? Si vous voulez tenter votre chance. Écoutez, on n'a pas de temps à perdre. Nous devons absolument trouver Leslie avant que quelque chose lui arrive. Trousse de premier secours. La grande seringue de cette trousse de premier secours restaure efficacement la santé, mais au prix d'effets secondaires temporaires. Ces trousses sont rares, mais elles augmentent légèrement la santé maximale à chaque utilisation. Ok. Puis lui, il est complètement malade. Vous avez vu comment il a ouvert ça, quoi. Putain, gars. Discrétion, merde, je sais pas. En fait, j'ai fait le tour. Ok, c'est ça, j'ai fait le tour. Ok. Mais du coup, il n'y aurait pas une tronçonneuse là-haut, là ? Non, franchement, c'est pas possible, ça. Expérience numéro 4. Sujet numéro 4 à 13. Activité cérébrale réduite. Mais synchronisation réussie. Les sujets devraient commencer à ressentir une conscience commune. Les tests précédents ont montré une rapide détérioration de cette conscience. Leurs esprits sont devenus une masse informe, un amas de charogne mentale. Je dois me connecter moi-même pour ressentir la terreur qui les envahit avant qu'elle ne diminue. D'accord, non, je pensais qu'on pouvait... Expérience numéro 4. Okay. Sujet numéro 4 à 13. Activité cérébrale réduite. Donc du coup, en fait, on a eu l'arbalète. Donc c'est plutôt cool. Hein. Les tests précédents ont montré... Ah, on va prendre ça en plus. Non, on peut pas la prendre. Enfin, on peut pas la prendre, attendez. Ok. Je dois me connecter moi-même pour ressentir la terreur. Ah, c'est pas mal ça. J'ai envie d'essayer. On va essayer sur le mur au pire. Ah, ça va bien faire bien mal. Ça va faire bien mal. Pour l'instant, on va garder notre fusil à pompe. Et je préfère garder ça pour quand il y aura entre guillemets vraiment besoin. Là-dedans, il n'y a rien. Ok. Bon, bah, je ressors chercher une transcendance. Du coup, on va partir par là. Ok, ça va à rien. Franchement, si je passe à côté de toi et que tu ne me vois pas, je suis énorme. Voilà, et donc là-haut, je vais essayer d'avoir la base. Je sais pas du tout ce qu'il y a derrière moi, mais franchement, j'ai pas envie de savoir. Clairement, j'ai pas envie de savoir. Voilà, déjà d'une morte. Quelqu'un derrière moi. Ouais, ok. Tu m'as trop pas vu.
Ah, chouette. Enfin. Elle a disparu. Enfin, bah écoutez, je vais directement là. Je vais y aller. Surprise. Au revoir. Mort brutal, mon garçon. Mais bon, t'aurais eu la chance de dire bonjour, c'est pas mal. Bon, du coup, moi je vais passer par là. Pourquoi je vais pas rentrer là-dedans? Premier jour en tant qu'inspecteur. Ma nouvelle partenaire, Mira Hansen, est une vraie dure à cuire, directe et obstinée. Tout ce que j'aime chez une femme, par contre, il faut que je me tienne à carreau avec elle. Elle a déjà failli me surprendre en train de la reluquer. Ah, c'est pas lourd ça. Ok, donc maintenant je peux y aller. Ok, c'est parti. Parce que là j'ai quand même pas mal de points, donc c'est vrai qu'on s'en sert. Autant s'en servir. Ah, ma tête. Allez, mon gars. On va améliorer un petit peu les choses parce que là. On a, c'est vrai qu'on a, énormément, on a pris énormément de points et puis au final on a pas fait grand chose avec. Donc... Bonjour. J'ai quelque chose pour vous. Ah bon? Qu'est-ce que t'as pour moi? Rien, comme d'hab. Cette meuf-là me fait toujours aussi rire parce qu'elle dit toujours quelque chose pour moi, en fait. Elle a que dalle. Veuillez me suivre. Oui, je te suis. Et c'est voilà, c'est 6007, vous imaginez, moi? Eh, franchement, ça, elle est gardée, hein. Attention. Allez, hop, le beau petit casque. Alors, agonie, stock, arme, tête, arme. Efficacité des seringues, ça pourrait pas être mal aussi, franchement. 5000 pour l'améliorer. Oh là, arme, cadence de tir, multiplicateur de dégâts. Stock. Munitions, pistolet, fusil à pompe, carreau, grenade, seringue et allumette, agonie, carreau explosif, carreau harpeneur. Ok. Et en fait, je pensais que 6007 c'était énorme, mais en fait, c'est que dalle. C'est que dalle. Franchement, je vais mettre efficacité des seringues, quoi, parce que. Multiplicateur de dégâts, peut-être aussi. Ouais, oui. Multiplicateur de dégâts. Du coup, critique en fait aussi. Et précision. Jauge de vie, ça peut pas être mal. Ouais, une jauge de vie. Voilà, on a plus que 700, donc... Voilà, ça c'est cool. Allez. Bonjour madame. Vous faites beaucoup rire, vous savez. Alors... Bon, on va retourner. Hein. C'est con parce que je peux pas courir. Et tranquillement. Tranquillement. Sans se blesser. Ah ouais, merde, c'était la bosse. Eh, je suis con. Hein. Franchement, je suis pas dépêché, mon garçon. Yahoo! Yahoo! Merde, j'ai un gros trou noir en fait. Non, c'est pas par là. Tic tac, tic tac. Non, c'était par là.
Ah mais fais chier, je sais plus par où c'était. Non, c'est pas par là puisque là j'ai plus rien. J'avais été par là au passage. Regardez, madame, je vous ouvre la porte. Où est-ce que vous m'emmenez? D'accord. Vous n'êtes pas très causante. Elle avait quelque chose à montrer, mais c'est pour ça que je prépare. C'est une salle interrogatoire, ça, moi aussi. Je sais pas trop ce que c'est. La couille. Inspecteur Castellanos, possédez-vous une clé comme celle-ci? Cette clé vous permettra d'ouvrir un de ces casiers. Non mais sérieux, faut que je me tape tous les casiers pour savoir lequel est la bonne? Putain, puisé. Le contenu vous appartient. Ah non, c'est au hasard, venez d'accord. Venez voir quand vous voulez. Ouais, ah, mais ça c'est plein, j'en ai pas besoin. J'ai la duo. Regarde-toi, je prends. Mais c'est pas mal en fait. On fait le tour en même temps, un truc à faire. Ah ouais, 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 d'accord. Ok. Y a plus. On peut tout ouvrir en fait, ça je comprends. Donc là-bas, je sais pas. D'accord. En fait, il y a de quoi s'occuper. Hein. Maintenant, Grognasse, est-ce que je peux retourner dans ma mission, s'il te plaît? Enfin, j'aimerais beaucoup, du moins. Ouais, c'est bon. Bon. Du coup, nous, on les a rendus là. Vraiment que comme ça t'arrivais, t'aurais pu m'emmerder comme ça quoi, t'as dit pas de soucis. Hop, on prend ta torche. Hop là. Non, prends pas ça. Garçon, sois logique un peu. Alors. Ok, là c'est là qu'il nous a vu tout à l'heure. Hop, c'est cool. On prend 500 si tu veux à prendre. Ensuite, on se pèse. Il est où ce fils de. Ah, il est là, d'accord. Non. Hop. T'as, je suis c'est par là, moi, ça a l'air. Ça me dit quelque chose quoi. Non? C'est pas moi qui déraille. Donc là y'a rien à fouiller, là c'est pour pas tomber sur du lit. C'est ça. Bon, là y'a rien. On est passé par là ça là. Mais oui, on est passé par là. Oui, non, je sais pas en fait, j'ai un gros doute. Ah si, c'est là qu'on était au début. Avec ça. En fait, je me suis tapé tout le tour, c'est chouette. C'est chouette, mais... En fait, je me suis tapé tout le tour, mais il manque toujours le principal truc, en fait. C'est-à-dire une tronçonneuse. Non.
mais c'est bizarre quand même, il y a une échelle. On la fait pas, moi. Tu peux pas pour une échelle, t'es sûr. T'es sûr, sûr, sûr. Bon, je vais essayer de prendre un pistolet. Je vais tirer dedans, voir si ça fait quelque chose. Non, ok. Voilà, commande qui déballe à peine de rien. C'était là, t'as la trace de sang. Ça, franchement, il doit pas. Il doit pas rester beaucoup de zombies à force de tous les buter. Hein. Ok, j'ai trouvé la tronçonneuse. La manière que j'ai trouvé ne me plaît pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Et mon gars, tu veux pas bouger un peu tes fesses, franchement. Non, mais sérieux. Sérieux. Reste pas là, franchement, reste pas là. Allez. Non, mais mon gars, non, mais sérieux. Depuis quand tu bouges pas? Qui s'arrêterait quand il va aller? Quel est le reste? Qui ou pas, nous en parle? Eh, j'arrive pas à voir ce monsieur. Je pense pas quand même. Lui, il faut que je la batte. J'ai pris la bonne solution. Ah, tiens. Donc du coup, je suppose qu'il faut que je prenne ça. Ok. Là, faut que je prenne ça. Ah putain. Alors,
Ah là 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 là, bah oui, non mais... Alors là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, clairement, j'ai fait de la merde. Putain. Ah la vache, putain. Ah, puis il a pas beaucoup d'endurance, notre garçon, donc du coup, ben... Il court pas assez vite, quoi. Ah bah moi, je l'ai trouvé, ma tronçonneuse, hein. Je peux te dire, je l'ai trouvé, y a pas de soucis. Bon, on va aller prendre là-haut. Qu'est-ce qu'il y a à prendre ? Je sens que ça va être super chaud, mais super chaud. Ici en stock, hop, fabrique, hop, c'est bon, fabrique. Allez, on descend. Un mode même pas peur. Putain, mais il est temps là, ta putain de lampe torche, tu vois pas qu'on voit avec ça. Bon, lui déjà, il va sauter, c'est clair. Non, tu m'as pas vu, franchement, déconne pas, mon gars. T'as vu ton pote sauter, ça, je suis d'accord avec toi, mais tu m'as pas vu moi, quoi. Ah, d'accord, là, la gueule. Voilà. Non. Je veux juste que tu prennes ça, s'il te plaît. Attendez. Ça, c'est pas mal. Hop. Hop. Là-bas. On va s'en occuper vite fait. Tu m'as vu, c'est ça, mon gars? J'ai un doute en fait si tu m'as vu ou pas. Ok, on prend le flingue. On recharge. T'es où? C'est là. Ok, t'es mort. Ok, t'es pas mort. Ok, t'es mort. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, ok, c'est bon. Même si on a vu qu'il peut aussi. Allez, pas direct. Hop. Hop. Non. Carreau explosif. Pousse-toi, toi, bordel de merde, là. Là. Allez, ça va. On va le sauter, je sais pas, c'est quelque chose. Putain, mais tu l'entends pas, parce que moi, je l'entends pas.
sous le lit, je m'en fous, mais cache-toi. Putain. Ah la vache. Ah la vache. Bon, du coup, fabriquer. Hop. On est plein partout. Ok. Juste prendre. Rien d'aveuglant. Sorry. Il a cumulé des conneries, hein, franchement. Ah là 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 là. Ça va mal quand ça va pour. Non, 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 ils savent pas où je suis là. Ils savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas. Vas-y, dégage, mon pote, sérieux. Dégage. T'es pas copain du tout. C'est pas un killer. Ouais, on va prendre ça. Non, là, je sais pas. Lui, il faut que ça va pas très vite. Ah bah ça, je me dis bien. Je n'aurais même pas dû, j'aurais su. Il a quoi comme liste à retirer là parce que. Ah ouais, ah, sympa la troupe de secours en fait, hein. Chacal.
Ouais, je commence tout à coup, moi, je pense. Trois grenades. Pourquoi tu t'énerves comme ça, garçon ? Non, mais c'est même pas que je descends, hein. C'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine. Hein. Lève la bloquée en haut maintenant. Je me sens un tout petit peu coincé quand même, je dois avouer que là. Yes! Oh putain, on l'a eu. Oh putain, on l'a eu. Et dans cette tronçonneuse, il y a ce recouvert de la maille. Indescriptible. Ça pourrait être utile. Très utile. 5000 points, putain. 5000 machin vert. Pouf! Eh ben, je peux pas dire que j'en ai pas chier. Je viens juste avec ça. De toute façon, je vais pas faire le tour. Hein. Je viens juste par là. Hop, ok. Là. Voilà. Autant servir. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah si, il y avait le coffre là-bas. Alors, c'est tout ce qu'il y a par là. C'est pas beaucoup de choses, je crois. C'est pas. Je crois que ça est énorme. C'est pas grave. Ça va faire avec elle. Ça va bien. Allez, cours. Prochain coup, je t'améliore ton endurance. Parce que franchement, on va pas trop trouver dire. Pas dire. Et voilà, la porte est ouverte. Attendez! Par ici! Attendez, officier, ne me laissez pas derrière. C'est inspecteur Castellanos. D'abord. Il ne faut pas être loin. Il faut absolument qu'on le retrouve. Et le chapitre 3 se termine. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont tout beaux. Regardez-moi ce qu'il y a. On sauvegarde la partie. Hop. Le chapitre 3. Et là maintenant, on est en... D'accord. On est rendu. Au chapitre 4, le prochain coup. Bon, bah ça fait plaisir, les enfants. Ça fait plaisir. On avance bien, je trouve. Donc, ok, c'est cool.
Alors, bah écoutez, je vous laisse là les gamers, et puis on se retrouve très bientôt pour l'épisode 4, du coup, de The Evil Waiting. Donc voilà, en espérant que la série vous plaît toujours autant, et en tout cas moi ça me plaît toujours autant, je suis toujours en pleine nuit quand je fais ça. De toute façon vous pouvez voir, hein, c'est marqué le 14/4/2015 à 6h31 quand je tourne la vidéo. Donc 6h31, par logique, il fait nuit. Voilà, bah écoutez, à bientôt les gamers sur de nouvelles vidéos et sur les prochains épisodes. Allez, bonne nuit à tous, bonne soirée, journée, ce que vous voulez. Moi je vais me coucher. Allez, salut!